Bonjour, aujourd'hui avec plein de petites fleurs, c'est enfin l'été et le printemps, j'ai envie de me mettre dans cette ambiance-là. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui est peut-être quelque chose que tu as vraiment besoin d'entendre. Donc écoute-moi bien. J'ai mis ça aussi comme texte. Faire partie d'une communauté bienveillante, c'est comme avoir une nouvelle famille dans laquelle tu peux grandir depuis tout bébé jusqu'à le succès sans subir des traumatismes si tu es dans une ambiance bienveillante. Et quand tu as une coach bienveillante, une coach qui sait ce que tu es en train de traverser parce qu'elle aussi, elle est passée par là. Et pour moi, j'en ai encore eu la preuve aujourd'hui. J'ai lu quelque chose aujourd'hui dans notre communauté de Zomba Sisters qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Et c'est pas la seule personne qui raconte ça, mais je la vois dans Zomba depuis. Donc Zomba, c'est la communauté de Sigrun avec son programme Zomba pour apprendre à se construire un business en ligne. Et donc cette fille, elle met qu'elle est dans Zomba depuis 1 an et demi et qu'elle a donc elle s'est au même temps que moi en fait, elle a rejoint Zomba l'année dernière. Et ce qui lui est tombé dessus ou ce qu'elle sentait à cette époque, c'est qu'elle était en plein dans une crise de couple. Et ce qu'elle écrit, c'est que elle s'est dit, voilà, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais travailler sur moi-même, sur mon état d'esprit, je vais être heureuse, je vais avoir un business, je vais avoir de l'argent, je vais faire tout ce qu'il faut pour sauver mon couple. Et en réalité, ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle n'a pas pu le sauver. Et elle revient maintenant dans Zomba, et là, elle dit, voilà, j'ai traversé l'enfer. Et je n'ai rien pu faire et je suis toujours là et maintenant voilà, je partage ici cette histoire. Et je ne sais pas, ce matin, donc elle a mis ça ce matin, il y avait déjà une trentaine de personnes qui ont mis un commentaire, moi aussi. Et c'est vraiment quelque chose de tellement touchant quand tu vois qu'on est tous dans le même bain, qu'on a des choses terribles à traverser. Et quand tu as une, et moi je vois ça quand je travaille avec les femmes, une qui raconte ça, on peut tous se connecter et soutenir, et soutenir. Et quand tu es seule dans ton coin, avec tes gros problèmes, avec tes souffrances, à ce moment-là, c'est tellement plus dur. Et qu'est-ce qui se passe quand on traverse des choses pareilles? On se ferme. J'ai eu aussi aujourd'hui et hier, deux personnes qui m'ont contacté qui ont dit Gudrun, je suis dans ton groupe, mais je n'ose absolument pas. Je regarde ce qui se passe, mais je n'ose même pas mettre quelque chose parce que je suis encore nulle part ou je me trouve pas assez valable pour contribuer. Tu sais, on est toutes pareilles et moi aussi j'étais là. Faut pas croire que moi je suis quelque part ici. J'ai juste appris un peu technique comme je peux m'amuser avec des petites fleurs que j'avais envie aujourd'hui de mettre. Pour un peu de gaieté, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un jour de fête et je veux te faire partager ça. Aujourd'hui, les portes de Sombra s'ouvrent. Et les portes de Somba se sont ouvertes pour moi il y a 1 an et demi. Et je me suis dit, est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose? J'ose rejoindre cette communauté. J'avais vraiment trop envie. Et tu sais ce qui a fait la différence? La différence, c'était que je connaissais une personne à qui je faisais entièrement confiance. Et je me dis, si elle me le recommande et si elle a eu son succès avec ça, je crois que je peux. Et elle m'accompagnait aussi, elle a proposé un accompagnement pour que je ne me sente pas complètement lâchée dans la nature. Et c'est exactement ce que je te propose ici. Deux choses. Une chose, c'est que donc tu peux faire partie, tu peux rentrer dans mon groupe Facebook Porteuse de projet pour voir un peu, on travaille ensemble sur les contenus de Sigrun, sur ce qu'elle fait. T'inscrire bien sûr dans la masterclass de Sigrun pour avoir une idée si tu aimerais travailler avec une femme comme ça. Si moi, je peux que la recommander. Mais en réalité, c'est toi qui dois sentir cette longueur d'onde, qui dois sentir si cette personne est quelqu'un à qui tu peux te fier, lui faire confiance. Moi, je trouve qu'il n'y a personne de mieux là-dehors. Et je trouve aussi que sa communauté, c'est une communauté internationale, mais c'est quand même européen.
Il y a beaucoup d'Européens là-dedans et on se sent un peu comme ça à la maison. Et comme je te raconte cette histoire de cette femme qui a mis ce commentaire ce matin, c'est incroyable combien on soutient des personnes comme ça. Parfois, j'ai aussi parlé cette semaine encore avec des Samba Sisters, on s'appelle les sœurs parce que c'est vraiment une sororité, c'est ça que j'adore là-dedans. Et on s'appelle, et Gudrun, comment tu vas? Et comment toi tu vas? Et qu'est-ce qui se passe? Et on se met ensemble, donc, dans Samba. Et je pense que je vais faire une deuxième vidéo, parce que sinon ça va être trop long, parce qu'il y a un deuxième sujet que j'ai vraiment envie d'aborder pour te parler de qui est, sont ces Samba Sisters, qui est dans cette communauté de 500 personnes. Quel genre de personnes sont là-dedans? Donc, je vais faire une deuxième vidéo tout de suite. Mais ce que je t'offre donc ici, la possibilité de rejoindre mon groupe. Ça, tu peux faire, même si tu ne fais que regarder. Tu es la bienvenue. Et la deuxième chose, j'ai libéré mon agenda jusqu'à la semaine prochaine, mercredi. Et tu peux prendre un rendez-vous avec moi, gratuitement, une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, on parle ensemble. Tu me racontes où tu en es. Je t'écoute et je te dis de ce que moi, je peux te dire. J'ai un don, et ça, je dois dire, je l'ai découvert en travaillant avec mes clients qui travaillent sur le féminin sacré, sur cette féminité, cette puissance féminine. Et ces clients, et je ne m'attendais pas à ça, sont vraiment devenus des femmes, des entrepreneuses. Tu sais, ils ont un don, ils ont une passion, ils organisent des trucs de fou, comme il y a une conteuse là-dedans, une fabricante de meubles, quelqu'un qui est dans la cuisine, une qui fait la sonothérapie, une photographe. Enfin, c'est des femmes incroyable. Et je suis désolée si je ne mentionne pas tout le monde qui est là-dedans. C'est magnifique. Et donc, je me suis rendu compte que ces femmes, une fois qu'elles rentrent dans leur puissance, rentrent dans cet enthousiasme, et après, elles me demandent, Gudrun, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et donc, moi, je les aide. Et je me suis découvert le don de voir le potentiel dans les gens. Le potentiel, j'ai toujours vu, tu sais, comme je donnais des cours de danse, j'ai toujours vu ce que cette personne avait comme beauté intérieure et le chemin à faire pour vraiment incarner ça. Les choses à défaire, avec les soins énergétiques que je fais, ça j'enlève les choses qui ne t'appartiennent pas énergétiquement. Et une fois qu'on fait ce travail-là, à ce moment-là, j'ai ce don de toute façon de voir le potentiel. Et profitons, je viens de libérer tout mon agenda, donc les cours que je donne, danse, etc., tout ça, ça reste évidemment. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'heures que je consacre à toutes celles qui veulent une fois se mettre sous ma loupe et que je puisse leur dire quel est ce potentiel. Est-ce que ma vision que j'ai de l'avenir possible pour toi, si toi, tu es même un peu dans le flou, je peux vraiment te dire qu'est-ce que moi je vois et comment je vois ton chemin. Et je pense que ça peut t'aider, donc profites-en. Et je vais faire tout de suite la deuxième vidéo ici pour te parler de qui sont ces Samba Sisters. Ok, bonne journée. J'espère avoir plein de rendez-vous avec plein de femmes qui veulent aller d'avant et qui ont une passion ou même une idée, qui aiment être indépendantes, rayonner, briller, prendre des responsabilités et faire ce qu'il faut, s'engager dans un processus, travailler pour. Je ne suis pas magicienne, ça ne marche qu'avec un engagement de ta part et avec un travail de ta part. Mais une fois que tu mets ces éléments ensemble, la magie peut se passer et ça, c'est ce que je souhaite pour toi, comme ce qui se passe pour moi actuellement. Bye bye.